gauche n'en peut plus, Ted était bien. Oui, il a fait de son mieux. Ce Steve Bassett est l'homme le plus détestable du monde. Mason. Oui. J'ai bien regardé les photos que Nick a prises là-dedans. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle était à la barre, elle ne cessait pas de tourner les yeux vers Bassett. Et Nick, lui, l'a pris pendant qu'il lui faisait des signes, qu'il lui souriait, ou au contraire, qu'il fronçait les sourcils. Il lui avait fait préparer ses réponses ? Et à mon avis, oui, ça m'en a tout l'air. Ce qui veut dire ? Ce qui veut peut-être dire que Bassett sait qu'elle a menti. Exactement, si on pouvait prouver ça. Attends une seconde, tu penses qu'il sait que c'est Ted qui dit la vérité et pas Christine, mais qu'il le poursuit quand même ? Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas que ce soit inconcevable. Mais je pense plutôt qu'il fait tout pour qu'elle s'accroche à son histoire. Autrement, toute son accusation s'effondre. Mais Ted ne peut pas aller en prison à cause de cette famille. Ils sont vraiment horribles. Je fais ce que je peux, Ethan. Excuse-moi, je sais, oui, et tu as une énorme pression sur le dos. Oh, ça me fait plaisir que ce soit toi qui le défende. Je te remercie. Je croyais connaître toutes tes expressions et toutes tes pensées, mais je crois que je ne t'ai jamais vu une tête comme celle-là. À quoi penses-tu ? Je faisais ce que mes parents m'ont appris à faire quand tout semble s'écrouler. Je disais une prière. Alors je crois qu'il faut y retourner. Oui. Dis-moi, j'ai le moral un peu meilleur maintenant que je t'ai écouté. C'est peut-être à cause de ce que tu m'as dit, la confiance qu'il faut avoir. J'ai confiance en toi. J'ai totalement confiance en toi. Et je t'aime. Et ça me fait du bien. Peut-être que tes prières ont été entendues. Il reste à espérer.